On a une baisse de consommation qui est liée à la fois à l'inflation, avec un certain nombre de nos concitoyens qui ne peuvent plus accéder, donc une, une baisse en, en gamme, en fait, hein, et en gamme de prix notamment d'un certain nombre de produits. On a deux volets, une aide d'urgence de 60 millions qui vient se rajouter aux 10 millions qui avaient été indiqués déjà par la Première ministre. Et deux, ce qu'il faut, c'est qu'on soutienne la demande. Le, le sujet n'est plus l'offre. Mm. Euh, je rappelle qu'on a, a doublé comment... les surfaces. Mm. Attendez, qu'on a doublé les surfaces en agriculture euh, biologique sous le quinquennat précédent oui. d'Emmanuel Macron. Donc je veux bien que tous ces gens-là viennent nous donner des leçons. Mais nous, nous avançons. Mm. Qu'on a donné un objectif de passer de 10%, ce qui est le cas aujourd'hui, à 18% des surfaces. C'est comme qu'ils n'ont pas de débouchés aujourd'hui. Oui, les mais gens mais ne oui, veulent oui, plus mais acheter mais cela. Comment oui, vous, -ce faites vous faites pour que ça devienne accessible pour les gens, vous, vous, vous ne créez pas le débouché à, à coût de centaines de millions de milliards. Pour créer du débouché, il faut qu'on fasse, et c'est ce le dialogue qu'on aura avec l'agence bio qui dépend de l'État, hein, c'est une agence de l'État, c'est de faire en sorte qu'on ait une communication qui soit plus proactive pour montrer l'intérêt du bio, et y compris ce qu'on n'a pas vu à l'époque, parce que la baisse du bio, la consommation de bio, elle date de la Covid. Pourquoi Parce que sous Covid, on a beaucoup développé les uns et les autres, d'ailleurs, les circuits courts, les circuits de proximité, bio ou conventionnel. Et donc, on a besoin de, si vous me permettez cette expression, de, de redire en quoi le bio lui-même est un produit de, de proximité. Est-ce qu'il ne faut pas mmh. mettre de l'argent dans des pas, aides alimentaires mais, mais pas, au bio alors, ou Attendez, euh, c'est pas, pas forcément une question de, de, de c'est une question de prix pour un certain nombre de Français mmh. qui n'ont pas les moyens. C'est une question aussi d'image collective qu'on doit porter. Le bio, c'est pas forcément plus cher. Ça dépend, ça dépend des catégories. Euh, bah, si, c'est pas plus cher, forcément hein. plus cher. Deuxièmement, il faut que la grande distribution. Pourquoi sur les, les produits bio la marge produite par la grande distribution est plus grande que sur les produits conventionnels. C'est une bonne question parce qu'après tout, si on vous veut maintenir, on devrait faire la même marge parce qu'une tomate bio, une tomate conventionnelle, pourquoi la marge est plus importante sur le bio Parce que on s'est mis dans la tête que c'était un produit qui était adressé qu'à des gens qui avaient les moyens. Et donc c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut dire, c'est à la fois l'intérêt qu'il y a à développer le bio en France. Il y a d'autres modèles, mais le bio est un modèle intéressant. Et le deuxième sujet, c'est d'essayer de stimuler la demande en essayant d'expliquer ce que c'est. Et donc on le fait. Il faut que l'État soit exemplaire. 60 ou 70 millions d'aides d'urgence. Et deuxième élément. Pardon, je finis juste là-dessus parce que oui, c'est important. C'est de stimuler la demande par la commande publique. Dans Quand les, les cantines. De faire ah, les cantines. Non, la commande publique ah, non, de l'État. Parce cantines, que moi, je ne pas donner des leçons aux autres. Ouais, Déjà, il faut que l'État applique dans ses mmh. propres cantines, dans sa propre restauration, la loi Egalim. Combien, cas, vous à combien de pourcentage Vous connaissez le ratio Au niveau national, on est à 7% sur le bio, donc on doit atteindre les 20%. Mais là, au niveau 20 de l'État, c'est. C'est ce que je vous dis, est, on est à peu près dans la moyenne nationale. oui, il y a une marge. Et donc, on a. Essayons de... Moi, je ne fais la leçon à personne. C'est compliqué Merci. parce qu'il faut trouver que les prestataires le fassent. Et donc, on a besoin, nous, au niveau de l'État, de faire cet effort. Puis après, sans donner la leçon aux collectivités locales, que c'est un effet d'entraînement sur les collectivités locales. Parce que les 120 millions de demandes supplémentaires qu'on met sur la table pour la commande publique, c'est la commande publique de l'État. Mais après, il y a tout le reste de la commande publique qui peut aussi stimuler le bio. Il faut stimuler la consommation ouais. de bio. C'est comme ça qu'on s'en sortira.